Nous sommes dans la joie d'être rassemblés en ce dimanche de la semaine pour te louer, Dieu notre Père. Pendant cette célébration, nous te prierons avec et pour les acteurs de la santé, les soignants, les aidants, les chercheurs, les visiteurs malades, les équipes de monterie et tous ceux qui œuvrent au bien-être des personnes malades, âgées, handicapées, isolées. Sans se lasser, Seigneur, tu nous invites à vivre selon ta loi, une loi d'amour qui fait grandir, une loi pour plus de vie, que le Christ nous aide chaque jour à choisir la vie et la justice selon sa loi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ouvrons notre cœur. Écoutons la parole du Seigneur. Ouvrons notre cœur pour être attentifs à nos frères. Mettons-nous en présence du Seigneur. Recueillons-nous que nous et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais mon frère et ma sœur, que j'ai péché en pensée, en parole, en action et en intention. Oui, j'ai la foi. C'est pourquoi je suis la dernière. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Peace.
Seigneur, tu as promis d'habiter les cœurs froids et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Il y a une liturgie pour les enfants à partir de 3 ans. Lecture du livre de Betsirac le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, et tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde
la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu
tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la gêne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments. Mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Et bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Des victimes, comme par exemple ce tremblement de terre, Dieu n'est pas indifférent. En tout cas, c'est ma foi. Par rapport à cette misère, on peut peut-être se dire, lui qui voit la misère, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est un Père plein de miséricorde, un Père attentif à ses enfants que nous sommes, attentif à la misère de ses enfants, que fait-il? Que fait Dieu notre Père? Dans le récit de la création, nous voyons dans le jardin deux arbres. Le premier, c'est l'arbre de la vie, auquel l'homme est invité à se nourrir. Et il y a un deuxième arbre. Et d'ailleurs, si vous voyez, vous regardez le texte, on ne sait plus trop si lequel est au centre. Si c'est l'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bref. En tout cas, c'est deux arbres importants. Donc il y a un autre arbre, c'est celui de la connaissance du bien et du mal, auquel l'homme ne peut pas se nourrir. Car c'est l'arbre de la connaissance. La connaissance est de la science de Dieu. Et ça nous dépasse, la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la science de Dieu nous dépasse. Nous ne pouvons pas connaître et penser comme Dieu. Nous ne pouvons pas manger de cet arbre de la connaissance. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. Dieu est bien plus important que nous. Dieu est bien plus fort. Dieu est bien plus... Nous ne sommes rien. Et nous sommes simplement conviés à lui faire confiance, lui qui voit notre misère. Nous sommes invités à faire confiance en Dieu, même si nous ne comprenons pas le fait qu'apparemment, aux yeux des hommes, il n'intervienne pas. Dieu est un Père plein d'amour et nous sommes invités à avoir confiance.
Nous sommes invités aussi à ne pas oublier l'arbre principal, qui est l'arbre de la vie. Nous sommes invités à nous nourrir de cet arbre qui est la vie, qui nous comble de bonheur, malgré l'épreuve que nous pouvons vivre. Cet arbre de vie à laquelle nous devons nourrir et qui nous procure du bonheur, même dans l'épreuve, cet arbre, c'est la loi de Dieu. Nous sommes invités à nous nourrir de la loi de Dieu, en quelque sorte. L'application de la loi de Dieu nous rapproche de ce Dieu qui est un Père plein d'amour. Et se rapprocher de cette loi de Dieu nous comble de bonheur. Cette loi de Dieu nous rapproche de Dieu, mais nous rapproche aussi de nos frères, et notamment ceux qui souffrent physiquement, psychologiquement. Il suffit simplement de regarder si nous sommes trop attentifs à nous, si nous sommes trop orgueilleux, c'est-à-dire si nous ne suivons pas la loi de Dieu, eh bien, notre entourage en pâtira. Nous voyons très souvent la souffrance liée à la maladie ou aux aléas de la vie. Mais il y a aussi une autre misère qui nous touche et auquel Dieu est en quelque sorte affecté. C'est difficile de dire que Dieu est affecté par Dieu est tout puissant. Mais Dieu est affecté par une autre souffrance. C'est la misère de notre péché qui nous coupe du bonheur. Cette misère du péché engendre aussi des souffrances physiques et psychologiques. Comme je disais par exemple tout à l'instant, l'égoïsme qui peut engendrer de la pauvreté. La loi, c'est-à-dire l'arbre de la vie que nous rappelle Jésus, nous devons y vivre sous ses branches. Nous devons nous placer sous ses branches, à l'abri de cet arbre, l'arbre de la loi. Sous prétexte d'amour de Dieu, on a l'impression que tout est permis et que la loi est optionnelle. La loi permet à l'homme de le guider sur le chemin de la vie, sur le chemin du bonheur. Pratiquer la loi, c'est se nourrir tous les jours de ce qui nous fait vivre. Repérons peut-être cette semaine le commandement de Dieu, ou le commandement de l'Église, qui nous est le plus difficile à vivre, voire impossible à vivre. Et demandons à Dieu de nous montrer comment faire pour nous améliorer avec sa grâce. Notre-Dame de Lourdes nous invite à la conversion. Que dois-je convertir dans ma vie pour goûter au bonheur de Dieu? Que dois-je convertir dans ma vie pour goûter au bonheur de Dieu?
Je crois en Dieu. Thank you.
Action de grâce
Michel Saunier, Françoise Preux, les défunts de cette semaine, Madeleine Astier, Geoffroy Chabanis, Gérard Claire. Accueillez dans la lumière de ton visage. Sur le tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et pour lui.
Encore et encore, prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ, notre Seigneur. Nous sommes invités donc à dire ensemble la prière pour le dimanche de la santé. Seigneur, tu veux pour moi la vie, toujours plus de vie avec toi. Mais ma vie, à certaines heures, est tellement complexe. Que me depuis, à quoi, Seigneur, m'invites-tu chaque jour et chaque heure? Peut-être simplement à garder vivante, quoi qu'il arrive, la lumière de ton âme. Vous avez sur cette feuille, dans le fond de l'église, le programme de carême. Petite annonce concernant le mouvement et le déménage de Lourdes, plus exactement les tournois concernant le trajet de Lourdes. L'amical me signale qu'il y aura deux nouveaux dimanches de vente de billets de Mongola, à savoir les 19 et 26 février, c'est-à-dire les deux prochains dimanches. D'après ce que j'ai pu comprendre de mes contacts avec l'amical, le tiers de force d'un deuxième voyage n'est pas loin. Donc c'est un peu pour ça aussi que cette opération solidarité paroissiale, vous êtes à nouveau proposé. Sinon, il y a toujours le repas de juste qui sera le 5 mars. Donc n'hésitez pas à venir. Plus on est nombreux, mieux c'est. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.